Un don de matériel, c'est toujours essentiel, surtout à cette étape de notre lutte pour la reconquête et la pacification de notre territoire. Et comme ça a été vu, c'est essentiellement des moyens techniques, des moyens de soutien. Et il faut vous souvenir exactement aussi que, comme on le dit dans la lutte, dans toute action militaire, il faut faire en sorte que les militaires soient dans les conditions, les meilleures conditions possibles pour vivre, se déplacer et faire le combat. Ces moyens viennent surtout nous appuyer dans le domaine des mouvements et du déplacement des différents combattants. Et c'est vraiment l'essentiel. Et le chef d'affaires m'a fait d'avoir rappelé quelque chose. Le véhicule derrière moi, en chinois, la traduction de la marque veut dire libération. Et ça a tout en son sens. On ne peut être qu'heureux pour un geste pareil et vraiment remercier le partenariat avec la Chine et souhaitant que nous allons toujours de l'avant pour le meilleur des populations et pour le meilleur des forces combattantes sur le terrain. La concrétisation de notre amitié et de notre accompagnement auprès de nos amis burkinabés. C'est aussi une concrétisation d'une initiative de sécurité globale formée par le président Xi Jinping. Je crois que la Chine est toujours un partenaire crédible de notre ami africain sur la voie de sécurité et de développement. Et nous continuerons à travailler avec nos amis burkinabés dans ce sens-là.